Le départ est donné pour tous ces athlètes. Et on retrouve au couloir numéro 4, Bilal Naoussas, qui prend un départ extrêmement rapide et qui s'en va chercher tous ses concurrents à la sortie du premier virage. Bilal Naoussas qui semble avoir pris un certain avantage, qui se trouve maintenant en deuxième place, mais on l'a dit, il a encore tout le deuxième virage pour remonter son retard. Bilal qui revient maintenant à la hauteur du premier à la mi-course. Et voilà, c'est fait pour Bilal qui est maintenant en tête. Il est au coude à coude avec Markus Schmidt pour la victoire dans cette deuxième série du 400 mètres. Il leur reste maintenant 150 mètres à parcourir. Et il débouche maintenant dans la dernière ligne droite tous ces athlètes. C'est là que les gens commencent à picoter, que le cerveau doit être déconnecté. On les applaudit bien fort en tête donc. Bilal Naoussas de Shulhan Kour. Pardon. Par contre, c'est Francesco Zarotti, je me suis trompé. C'est Francesco Zarotti qui en termine en tête et qui termine.